Salut tout le monde, c'est Doom, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Oui, je sais, j'ai déjà mon casque parce qu'on n'a pas le temps de niaiser, tu vois. Car en fait, on repart tous ensemble pour un nouveau let's play sur le jeu Manuel Samuel. Développé par Perfectly Paranormal et édité par Groove Digital, Manuel Samuel est en fait un jeu d'aventure au gameplay apparemment original. Et l'histoire est que, après avoir conclu un marché avec la mort, notre héros Samuel, apparemment c'est un mec assez pourri gâté, doit survivre 24 heures manuellement. Donc toutes les actions qui sont respirer, cligner des yeux, conduire, c'est nous qui allons devoir effectuer cela. Et tout cela avec un humour bien noir. Donc les amis, c'est parti! Go go go, c'est parti, on n'a pas le temps, vas-y, un placement vide, donc voilà. Ah oui, on peut jouer en coop, mais malheureusement, je suis seule. C'est pas grave, je suis avec vous, c'est tout ce qui compte, un joueur. J'ai mis un joueur, c'est ça, hein? Attendez. Voilà, un joueur, excusez-moi, c'était bien ça. Scénario, option quitter, bah écoutez, on commence direct avec le scénario du jeu. Nouvelle partie, c'est parti! Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... Oh, we're not doing that? C'est pas de ça qu'on parle. Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Moche, attendez, ah, Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. Ça, c'est Nokia, but okay. A figurative spoon on en parle de la... that represents all the wealth and attention that he has been receiving avec un homme from qui... his parents. Enfin, c'était une fontaine. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Je suis un boulet, n'est-ce pas, Sam? Blink twice if yes. Deux fois des yeux pour oui. He can't hear. Il ne m'entend pas. This is Sam's girlfriend. Also, oh là, not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday ah ouais. for the third year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff and end up with a limp spine. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Fracture. Oh my god. Bon, il l'a mérité. Je suis désolée, j'aurais peut-être agi de la même sorte. Sam is laying unconscious on the floor. Sans connaissance. He gathers his strength and makes an effort to get up. Se lever. Oh là, then ah oui. He makes another effort un nouvel effort to pour se mettre up straight. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Il avance le pied droit. RT. Then okay. He takes a left step. Ça va être LT, ok, good LT, job, RT Sam. Pour avancer. Oh, good travail Sam, existing. Je suis très doué. Ah, c'est moi qui dois marcher, vous vous rendez compte? On en parle ou pas du gamin là qui a fond sur son jeu là? Ah, je vais gagner. Bon, revenons à nos moutons. Allez petit Sam, on avance. Oh la putain, c'est chaud. Excuse-moi. How dare you? Comment osez-vous effrayer mon enfant? An overprotective mother pulls a cup of coffee in Sam's face. Ah. He has to blink rapidly to regain his vision. Je dois cligner rapidement des yeux pour... Say something, Harold. C'est chaud. Oh, gee. Ah, ça va. Ça alors. How is our son going to become a respected? Va-t-il devenir un homme politique respecté s'il n'arrive pas à se défendre tout seul? I thought he was going to become an actor. Je pensais qu'il allait devenir acteur. Oh, what's the difference? Oh, c'est kiff kiff. Oh my god, c'est quoi ce famille? Mais non, il deviendra youtubeur lui aussi. Regardez, il commence des petits là. Vous inquiétez pas, madame, il aura un bel avenir. Moi, je m'en vais. Alors, j'essaye. Sam remembers the one thing he's good at. Dépenser de l'argent. So he turns around to pay for his beverage. Ok, il doit lui payer sa boisson. R pour se retourner. Ah ouais, d'accord. Oh là là, ça va être chaud. Faut que j'aille payer la boisson. Putain, mais en fait, on dirait un peu Michael Jackson. Un peu ? Non, vous trouvez pas ? Bon allez, on avance. Allez, avance plus vite là. Go, 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 go. C'est chaud de marcher en vrai, hein. Putain. Appuyez sur LB pour utiliser votre bras arrière. Sam pays the guy 500 euros. Ça sent type
à peine plus que ce coûte le café. Merci pour le pourboire, crevard. Ouais, puis c'était un café. Mais c'était quoi ce café? Tiens, filez un autre billet de 500 au type. $1000 pour un café, s'il vous plaît. Je veux bien bosser là-bas, moi. C'est un mec plutôt sympa, finalement. Sam, contribue à tout. Il right. 1500, allez, vas-y, Il n'a aucune idée de la valeur de l'argent. Weekly allowance on tipping a barista named Tony. Il faudra savoir qu'il s'appelle Tony. Il a vraiment pris un sacré coup sur le crâne. Tiens, mon gars. Tu m'étonnes, le gars, je vais donner quoi, plus de 2000, je crois. Sam donne un pourboire tellement énorme à un mec qui le fait démissionner. Ah, c'est... Oups. Si j'ai pu lui arranger sa vie, c'est pas mal. Bon, vous avez pu voir que la narration est très présente dans ce jeu. Hein. Encore une fois, je fais beaucoup de jeux où il y a des narrateurs. Enfin, les narrateurs sont très, très présents. Bon, je peux partir. Appuyez sur RB pour utiliser votre bras avant. Ah oui, c'est vrai. RB. Oh là, c'est chaud. Sam spends a decade making his way out the door, which is pretty good for a guy with a major concussion. Pas mal pour un mec qui souffre d'une grave commotion cérébrale. Eh, faudrait peut-être que j'aille à l'hôpital, non? Ou peut-être que je retrouve ma copine. Salut, corbeau. Alors que Sam se dandine dehors, il aperçoit sa petite amie de l'autre côté de la rue. Eh ben ouais. Sam pulls himself together. Sam se reprend et se pousse vers sa future ex-petite amie. Ça vient là, copine. C'est alors qu'un camion passe le fossé petit qui arrive sur Sam. À une vitesse moyenne de 90, l'impact est si violent qu'il meurt 8 fois de suite. Ça, c'est ce qui pourrait m'arriver. Non pas ça, mais mourir 8 fois de suite. Oui, voilà. Ah bah là, elle fait la gueule. Hein. Mon copain. Ah, oh, il a bégé. Sa chaussure. Au revoir, chaussure. Le mec, il a bégère sur les sur le pare-brise, quoi. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Hein, je suis satisfaite de mon choix. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Who knew a bottle to the face would result in such a terrible fate for Sam? But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. There's also the ground. Je suis le seul à en faire, ok. Mon pauvre gars. Ah oui, c'est vrai, putain. Allez, lève-toi, mon gars. Allez, allez, allez. Faut que j'aille. Does not ça ne plaît like pas du tout à Sam d'être mort. Je m'étonne qu'il s'éclairait. Il déteste la sensation inquiétante de ne pas avoir de monnaie sur lui. Then, he finds seven glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better. Il se sent mieux dans les limites du raisonnable. He checks out that horrible sound he's hearing. Not the horrible sound of the screaming. J'adore le panneau. Souls around him. Il est excellent. The other horribly irritating sound. Ah! The source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the grim reaper. La faucheuse, la mort. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Then he takes a second look at Sam, and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. Vas-y, dis-moi. For real? Oui. Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and sound of life. La vie de bohème. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision. Cousin, t'entends, cousin? Sam decides to check out the rest of hell before doing any deals with supernatural beings. Qui était surnaturel. Hey, il déchire! La faucheuse, tu déchires, mon gars. J'adore ton style. Oh, c'est des collègues. Why
Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. All right, that sounds fair. Yes. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job and become functioning souls of society. For most people, this is okay. But for Sam, it's horrible. C'est atroce. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Hello there, dear sir. Alors attendez, il faut que je retourne. Non, retourne-toi. Je veux pas travailler. Attends. Tiens. Prends. Tiens. He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Il croise. Whenever that's going to be. I bro. Okay, bro. I only get to do marche these une seule fois par an. But if you really want to live in this, you have to do it. Tu devras le faire manuellement. Also, je suis aussi arrêté. Mais comme ça maintenant. C'est excellent. Ouais. Sam has just traveled through time, space, and logic, and finds himself fully alive, and more importantly, rich again. Ça va mieux. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. This is when he shows up. Oh, mais il est dégueulasse! Yo, yo, yo! Bro, regarde-moi! Yeah, you look horrible. I mean, you look great, bro. You be okay? Can you hear me? Il est en train de crever. Blink twice if yes. Oui, ça va, mais est-ce que je suis... Oh, cool. You be alive. Everything be fine. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, là? Right, so, this here be the dealing biz. All your body functions be manual. So, you kind of have to do stuff on purpose. Tu dois faire... You'll be turning kind of blue. Tu deviens un peu bleu sur les bords. Might want to consider breathing. Comment on fait pour respirer? Putain, c'est hyper chaud, B. Putain, je dois... je dois inspirer, expirer, cligner... Ouais, ouais, c'est vraiment comme ils ont dit. C'est bon, regarde. All right. Ouais. Très bien, stylé, tu kings des yeux, tu respectes. So, all right. Go survive for a day, and I'll let you live normally for the rest of your life. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds. Regardons, tu iras en enfer et je garderai I'll be over there doing kickflips if you need me. Oh mon dieu, c'est... Once again, Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his spine. And once again, he has to remind himself how to walk. Oui, ça je sais encore. Oh, by the way, ah, mais non! You'll be getting late for work. Sam does something that resembles walking toward the bathroom. Dans l'ensemble, on marche jusqu'à la salle de bain. Je vais faire un... Sam's non mais ça va toi, amuse-toi dans mon appart. Norwegian teenager oh putain, c'est chaud mais... decides to blink. Il décide de cligner des yeux, mais oui je cligne des yeux. Regarde comment j'avance moi. Sam has some trouble with his posture. Oh and putain, has to il doit se concentrer sur spine. Sa colonne vertébrale. Mais comment je vais faire? Je suis pas bien. J'ai trop bu hier. Je crois que t'aurais dû laisser... T'aurais dû mourir mon gars. Oui excuse-moi, faut que je respire. Oh putain, c'est chaud. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Tu crois que je fais quoi là? Ouais, attendez. Ah d'accord, faut que je rappuie deux fois pour retrouver mon équilibre. Alors attendez, gauche, non, ça alors c'est droite. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Oh merde, faut que je respire. Cligne des yeux, respirez, mais c'est... C'est vrai à jouer. C'est bon? Pourquoi il n'arrive pas? J'arrive pas à réguler sa... Sam has some trouble with his posture. Ah, c'est bon, and oui, has to focus bon. On his spine. Aïe. LB. Ah non. Sam voilà. Holds on to that toothbrush like his life depends on it. Oh mon dieu, c'est pas possible. Voilà, faut pas que je lâche. Y. Appuyez sur pour brosser les dents. Blink, Sam, blink. Il va mourir. Il faut qu'il respire. Attendez, il fallait qu'il respire. He has to cough. Putain, mais
Putain, alors faut que je me baisse du coup. Mais attendez, il fallait qu'il respire. Il est en train de mourir. Your spine, Sam. It matters. Je sais pas gérer, moi, putain. Respire. Sam passes out from the lack of oxygen. Mais oui, mais c'est ce que c'est. Going to be a long day. La journée va être longue, non. Allez, on recommence. Alors, attendez, LB. Then voilà. He lets non. Go. LB, voilà. Allez, on se dépêche. Non, prends pas. Allez, hop. Dépêche-toi avant qu'il crève. Blink, Sam. Wow. Clean teeth. Sam is ready to smile. He won't for at least 24 hours. Non, c'est pas ça que je vais faire. Sam refuses to learn from his mistakes and has to cough again. La brosse. Non, mais attends. C'est super chaud. Non, alors attendez. Ah, je vais pas, je vais marcher comme ça. RB, c'est quoi ça? Attendez, faut que je respire. Allez. Allez, c'est bon, tout va bien. RB. Sam tries to take. Oh non! Oh putain. Hey dude, have you seen my. Sam takes a leak on the towels. Non! Sam takes a leak everywhere, including but not limited to. Oh non, 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 excuse-moi! Oh putain! Non, non! Redresse-toi! Ah mais c'est. Sam takes a leak on the floor. Non! One empty bladder. Oh, j'ai pissé later, partout. Sam. Vestibule, ouais, allez, c'est bon. Allez, ça me saoule. Oh, il s'est pissé dessus, j'avais pas vu. Je me suis fait pisser. Je me suis pissé dessus. Ah, oh, ma vie, c'est trop de la merde. Blink, Sam. Oui, blink. Oui, je cligne les yeux. Voilà, 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 voilà. Voilà, regarde. Je fais comment maintenant, du coup? Je peux pas. Ah putain, faut que je respire sinon j'ai. Allez, lève-toi. Lève-toi! Voilà, putain! C'est quoi ce bordel? Attendez. Lève-toi! Ah, Bobby! Putain. RB. LB. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est bon, j'en ai là! Sam tries. Essaie to de take prendre. A shower. Dans son deck. He looks like a mantis. That's trying to explain to someone how a bicycle works. C'est bon là? Oh merde, j'ai oublié de respirer. Putain, il faut encore du savon. Ah! Voilà. Blink, Sam! Ah blink! C'est tellement chaud, les amis, ça va être folklore le bordel. Mais en même temps, je me mets du savon sur la gueule, quoi. Aïe, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche. C'est la pire touche de ma vie, je crois. Vas-y, voilà, c'est bon, on va y arriver. Blink, Sam. Oui, blink. Oui, 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 je cligne des yeux. Sam is clean as a whistle. Nice. Good job, Sam. Mais merci. Hashtag difficile, plutôt, hein. Tu devrais mettre ça. Bon, allez, relève-toi maintenant. Relève-toi. Et bon, on a fini. Non. Non. En fait, je vais marcher comme ça, je pense que c'est plus simple, non? How hard is it to blink, Sam? Oui, c'est dur. C'est très dur de devoir penser à cligner des yeux. Alors que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, quoi. Alors, j'ai trop du mal à marcher. Alors, attends, c'est de ce pied-là, voilà. Faut savoir quel pied jouer, quoi. J'ai trop du mal. Ça va la galère, là? Clean and empty, Sam decides to find some clues. Hop, il est. Non, c'est ce pied-là, alors. Friggin' skateboard. Eh hey, mec, t'as pas de la bonne bœuf pour moi. C'est quoi, LB? Allez, vas-y. Sam, wow, c'était compliqué, hein. Clever boy. Petit futé. Ah non, tu te redresses, hein. Putain, en fait, je vais trop vite, je crois. Allez, moi. Allez, on y va. Sam enters his wardrobe. Il a l'air tellement mal dans sa vie. Today? Faut penser à tout. C'est l'horreur. J'ai besoin d'un pantalon. Lève-toi, mon gars. Voilà. He picks a pair of blue jeans. Mais dis pas que je vais devoir le mettre. The ugly ones. Tiens, attrape-le.
Attends. Putain, mais vas-y. Attendez, faut que je me redresse. Albi. Voilà. Oh RB. C'est bon, dis-moi. Oh, allez, allez, mets-le, mets-le. Sam, successfully put on his pants. Bon, maintenant, la veste. Oh merde, j'ai fait un trou de part. Bon, c'est pas vraiment y aller comme ça. J'arrive. Voilà, on se relève. Relève-toi. Tourne-toi. He settles for a mediocre one. Hum. RB. Voilà. Attendez, faut que je clean, faut que je respire. RB. Oh mais non, mais il a pas eu le temps. Le jeu qui va durer 10 ans. Voilà, reste comme ça. Mais non, mais... Pourquoi il fait ça, ce con? LB. Voilà. RB. Fully clothed, wow. Sam is ready for the day. P.S. Il est prêt pour affronter la journée PS? En fait, non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? On y va. Ah, il manque une chaussette. C'est ça, en fait? Ah, il manque les chaussures. Super. Ah non, j'ai cru qu'il manquait des chaussettes. Voilà. Voilà. Ça, c'était ça. He puts on his shoes, living the dream. Il met ses chaussures, quel bonheur. Having shoes on. C'est bon, on y va. Putain, je dis quoi c'est? Viens m'aider, bro. Bon, est-ce Sam que je peux descendre? Down the stairs with... Sam decides to hurl himself down the stairs. C'est d'une précision, je pense pareil. Attendez, faut que je respire, sinon il va crever, là. Ça va être l'horreur dehors. Flappy Rooster is Sam's favorite game. Non, mais on a pas le temps de jouer là. On a pas le temps de taquiner le volaille pour l'instant, on se casse. Faut que j'aille chercher ma copine, non, même pas. Regarde ce que je suis devenue. Ah bah il est là, loot. Mon gars, j'ai trop pris de drogue. Je suis pété. Following the story at this time, and gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to... Ah, j'étais en train de regarder, là. Oh, hey, dude. Still alive, salut, mec. Huh? Toujours en vie. Putain, j'oublie de respirer, c'est chaud. Ouais, toujours en vie. Ouais, t'inquiète, je vais le gagner, ce pacte. C'est immense, la télé. C'est bon, je m'en sors bien, là, regardez. There is a note saying, sent over a maid to make you breakfast. Te Don't ton petit breathe in while chewing. N'aspire pas à la bouche. N'aspire pas à la bouche. Ah oh, putain, merde. Non, c'est parce que je vais faire vite. Sam passes out from the lack of oxygen again. Encore une fois. C'est bon, je me relève. Attends, j'avais un truc à faire là. Y'a pas un truc à faire là? C'est quoi ça? Ah ouais. Faut que je mange? Ok, faut que je mâche. Oh là là, putain, c'est chaud! Dépêche-toi, tu vas t'évanouir! Despite his mother's warnings, Sam breathes in. Disgusting, but necessary. C'est chaud. C'est super chaud. Allez, mange. Je veux rien! Ah, c'est bon, on a mangé là. J'ai plus besoin, c'est bon, ça me saoule. Je rentre chez moi! Mais je suis chez moi! Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh mon dieu, le bordel!
Qu'est-ce que c'est que ça? Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee is so hot, Sam he blows on it before taking a sip. Le café de il souffle dessus. Mais pour souffler. Sam passes out from the lack of oxygen. Again. Oh mon dieu, ça va être compliqué. Je le réveille. Bon les amis, on va s'arrêter ici pour le premier épisode sur Manuel Samuel. J'espère que ce nouveau let's play vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pose ton like, tu vois bro, tu poses ton like comme la faucheuse. Enfin bref les amis, j'espère que bah comme je vous l'ai dit ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce les amis, on se retrouve théorique pour une prochaine vidéo. Et putain, il faut que je pense à respirer, c'est ça la clé. Voilà les amis, ciao tout le monde. Oh, 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 oh.